vous avez les fauteuils qui sont équipés de servomoteurs qui bougent. Voilà, je suis en train d'épouser le mouvement de ce qui se passe sur l'écran. Voilà, j'ai des effets d'air parce qu'il y a vraiment des effets de balle qui se trouvent sur l'écran. Et vous avez donc des effets de bruine. Vous avez les effets, voilà, j'ai l'appui qui me tombe dessus parce qu'il y a l'appui sur l'écran. Vous êtes véritablement plongé dans l'action du film. J'ai testé les fauteuils 4DX. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est immersif. Mais j'aurais peut-être pas dû aller voir Titanic. Salut à tous. Alors cette fois, j'ai vraiment testé la 4DX. Hein. Pas pour le film Titanic, mais bien pour le film Star Wars 8. J'avais vraiment envie d'un film où je me disais ça va vraiment envoyer du lourd, etc. J'avais besoin d'attendre avant de tester le 4DX. D'ailleurs, ça fait très récemment, c'est depuis très récemment que c'est installé sur Montpellier. Ça doit faire un mois à peine. Mais voilà, je voulais pas y aller tout de suite, je voulais pas me précipiter sur le premier film venu, j'avais besoin d'être vraiment en immersion, je me suis dit, tant qu'à faire, vu que ça coûte cher, on va y aller pour un film qui en vaut la peine, donc j'ai attendu Star Wars 8. Donc pour info, même quand on a la carte passe intégrale, en tout cas même l'ancienne formule, il faut rajouter un supplément de 6€ pour le 4DX. Je crois que quand pour quelqu'un qui n'a aucune place, aucun pass, ça doit être aux alentours de 20€ la place, si je dis pas de bêtises, 18-20€. Donc, c'est quand même un sacré budget, donc il faut que ce soit bien. Alors, qu'est-ce que ça donne le 4DX? Je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Le 4DX, c'était une expérience qui m'a paru très immersive au début. Un peu, j'étais par la suite un petit peu plus dubitatif, et à la fin, j'ai trouvé ça très long. Mais je vais rentrer dans les détails et m'expliquer un petit peu sur tous ces sujets-là. Quand je vous dis que ça m'a paru très immersif, c'est que il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Alors voilà, je vais commencer par détailler un petit peu ce qu'est le 4DX. Donc déjà, les fauteuils sont un petit peu plus massifs que les fauteuils d'une salle de cinéma classique. Vous avez bien une bonne assise et il y a un espèce de trépied pour poser les pieds dessus. Donc on n'a pas les pieds qui sont comme dans une salle de cinéma au sol. Ensuite, un élément que j'ai trouvé super bien, c'est qu'il y a des espèces de gros ventilateurs qui sont installés en haut de la salle, sur les côtés. Les ventilateurs sont orientables, et donc ils soufflent en fonction de l'environnement. Si c'est en plein air, forcément on va recevoir du vent. Si c'est dans l'espace, on va recevoir beaucoup de vent. Et pour ça, c'était vraiment immersif. La scène d'intro de Star Wars commence justement sur une scène d'attaque dans l'espace, et donc on voit les gens sur leur vaisseau et tout, et on se reçoit beaucoup de vent sur le visage. On a l'impression d'être dans l'espace également. À ce niveau-là, ça a vraiment fonctionné. Sur la scène justement d'attaque dans l'espace, j'avais le sourire aux lèvres et j'arrivais pas à l'enlever. Honnêtement, je vous le dis clairement, quoi. J'étais comme un gamin. J'étais comme un gamin dans une attraction, sauf que là, je vivais le film, et en plus, un film qui était en train de me plaire. Donc ça a vraiment décuplé l'ensemble. Ça a optimisé ma qualité de visionnage, tout simplement. Il y a également des petits jets d'air dans la nuque. Alors, c'est vraiment fin, comme ça, des petits filets d'air qui traversent à gauche et à droite et qui sont au rythme, bien souvent, donc soit des tirs, soit d'autres éléments, je sais pas, j'ai pas forcément d'éléments en tête, mais en tout cas, dès qu'il y a des tirs qui sont effectués, soit avec des lasers, soit tout ça, soit avec les vaisseaux, et ben on a les petits souffles dans la nuque. Et c'est efficace, parce qu'avec le son, le mouvement d'air plus le son, fait qu'on a vraiment l'impression que ça passe à côté de nous, quoi. Alors ça aussi, c'était immersif, donc je vous dis, dans la première bataille, là, franchement, j'étais conquis. Ensuite, le 4DX inclut les odeurs. Alors malheureusement, et je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, niveau odeur, j'avais l'odeur popcorn et transpiration, à cause de la personne à côté de moi, tout simplement. Donc, je peux pas juger la qualité des odeurs, puisque j'étais influencé négativement par l'expérience. Enfin, on ressent aussi, il y a une arrivée d'air au niveau des mollets. Ma foi, pourquoi pas? Enfin bon, il y a une démonstration au début du film, il passe une petite démonstration histoire de montrer comment ça envoie le 4DX, il passe un espèce de court-métrage qui doit durer une minute à tout casser, où on se retrouve, on visualise quelqu'un qui est sur une moto, qui fait des cascades, etc. Et quand il y a des graviers, on ressent cet air comme ça qui est envoyé par petites couches comme ça dans nos mollets. Donc on a l'impression d'avoir des graviers sur les mollets, c'est pas trop mal. Dans la démo, c'est pas trop mal. Mais alors dans le film, dans l'utilisation, ça n'a servi à rien. Je m'explique. À un moment donné, on a Rey. Alors, je vais pas spoiler, hein, vous inquiétez pas. Hein, je raconte juste une petite scène qui n'a aucune importance. On a Rey qui s'entraîne avec un sabre laser. Et elle donne un coup de sabre sur une espèce de gros caillou, une espèce de statue. Enfin, c'est un rocher. Et elle sabre en deux le rocher, comme ça. Et là, on a un mouvement d'air comme ça sur nos mollets. Mais j'ai pas compris. Nous ne sommes pas des putains de cailloux. Enfin, je comprends pas l'intérêt.
Pourquoi est-ce que je me fais couper les jambes au moment où elle coupe le rocher? Non, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça fonctionne pas. Dans le sens où par rapport à ce qu'on est en train de voir et ce qu'on est en train de ressentir, c'est deux choses complètement différentes. On est à la troisième personne, on voit l'actrice qui est en train de couper quelque chose. On est à la première personne, vision à la première personne, c'est donc quand on est... Voilà, c'est comme si c'est nous qui regardions, en fait. Ou là, on voit quelqu'un qui nous attaque et qui nous donne un coup de quelque chose. Là, on pourrait ressentir quelque chose sur nous. Mais du coup, ça fonctionne pas. Je me suis dit, ils m'ont vraiment pris pour un putain de rocher. Non, enfin, voilà, j'exagère, mais il n'y avait pas d'utilité. Alors, ça, ça a peut-être fonctionné deux ou trois fois dans le film, maximum. Autrement dit, ça n'a servi à rien. Hormis, peut-être, justement, me sortir un tout petit peu du film, parce que je me suis posé toutes ces questions au moment de visionner le film. Ah oui, pareil, un autre élément qui sert à rien, enfin, qui fonctionne pas, en tout cas, c'est qu'il y a des espèces de mécanismes, une espèce de mécanisme robot qui pousse comme ça dans le siège. Donc, première action, tu te retournes, t'as envie de défoncer le mec qui est derrière toi. Et là, tu te dis, ah mince, il est assis dans son siège, ok, c'est pas lui. Donc, bah, c'est mon siège qui me donne des coups de latte dans le dos. Mais quel intérêt? Et là, t'es un peu vénère, tu dis, ah ouais, parce que en fait, la caméra, il y a quelqu'un qui est tombé là-bas, donc ils ont voulu faire croire que j'étais en train de tomber, donc je ressens les secousses dans le dos. Mais encore une fois, ça marche pas. On voit quelqu'un qui est en train de tomber, c'est pas nous qui sommes en train de tomber, c'est pas la caméra qui fait des mouvements en première personne où on a l'impression... spectateur de tomber. Si vous voulez, une attraction futuroscope, ça fonctionne parce que justement, quand ils font ce genre d'attraction, ils nous placent à la première personne. On est, je sais pas moi, sur un train fantôme, et pff, on lance le train fantôme dans le vide, et là on ressent les mouvements de fauteuil, et tout c'est l'air, machin, et tout ça. On a l'impression d'y être. Mais là, c'est pas le même processus, puisqu'on voit des personnages faire des actions. Donc quand le personnage se prend un coup de latte dans le dos, pourquoi est-ce que moi, spectateur, je devrais me prendre un coup de latte dans le dos? Ça n'a aucun intérêt. Pour ressentir la douleur du personnage? Non. Non, ça fonctionne pas. Ça sort du film. Au niveau du mouvement des sièges, bah là, par contre, c'est vraiment comme à la fête foraine, hein, ça bouge vraiment dans tous les sens. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Parfois, oui. Dans la scène d'introduction, encore une fois, je vais me répéter, mais j'ai vraiment été en immersion par rapport à ça, puisque justement, les batailles spatiales, bah oui, dans le vaisseau, ça fonctionne. Forcément, ça bouge dans tous les sens, donc oui, ça fonctionne. Il y a pareil des moments où c'est un peu plus calme, et on a la caméra qui se surélève comme ça par rapport à des situations. Un mouvement de caméra, vous savez, par exemple, vous avez un personnage, il y a la caméra qui le filme de face, et puis la caméra va monter comme ça pour faire une contre-plongée. Mais en fait, le siège s'incline, et on suit la contre-plongée en même temps que la caméra. C'est pas mal, ça augmente l'effet d'immersion, c'est pas mal, ça fonctionne. Par contre, quand les sièges sont inclinés, et qu'ils se mettent à trembler, je vous garantis qu'on s'avance dans le fauteuil. On sort un peu de son fauteuil, c'est très gênant. C'est très gênant. Je me suis dit, bon, ok, je suis le seul boulet, je dois avoir un pantalon qui glisse un peu, donc je glisse comme un connard sur mon fauteuil. J'ai regardé un peu autour de moi, et à chaque fin de scène, il y a toujours des gens comme ça qui étaient en train de se relever pour se rasseoir bien comme il faut dans leur fauteuil. Donc, ben, forcément, c'est que ça fonctionne pas, quoi. Si on est obligé de faire ça, ça fonctionne pas. Autre chose qui ne fonctionne pas, mais alors là, pas du tout, et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a deux espèces de gros flashs qui sont installés de part et d'autre de l'écran de cinéma, donc en haut à gauche et en haut à droite. Deux espèces de gros flashs qui, à un moment donné, quand il y a des petites étincelles ou des explosions, plac, ils s'allument comme ça, très légèrement, et ils éclairent la salle. Sous l'effet de flash, vraiment très très rapidement, quoi. Mais sauf que du coup, t'es là en tant que spectateur, donc tu regardes ton film, t'es tranquille, t'es bien, bah, tu t'en prends plein la gueule d'un coup. Et en fait, bah, le truc, clairement, tu prends un flash dans la gueule, bah, ça t'éblouit. Donc quand ça t'éblouit, au cinéma, bah, c'est un peu gênant, quoi. Ils sont cons, quoi, mais c'est pas possible. Enfin, j'ai du mal à comprendre qu'ils aient testé ça et qu'ils se soient dit « Ah, ça fonctionne ». Non, ça fonctionne pas. Non seulement ça éblouit le spectateur, mais en plus, ça éclaire la salle. La seule chose qu'on voit quand le flash se met en marche, c'est justement tous les spectateurs qui sont dans la salle. Ok, niveau effet immersion, zéro. Justement, on ressort du film et on voit qu'on est dans une salle de cinéma. Donc ça ne fonctionne pas. Alors par contre, il y a un effet qui est pas mal. Alors, pour l'instant, je suis en train un peu de pourrir le délire. Attention, je ferai une conclusion à la fin où je vous dirai vraiment ce que j'en ai pensé, et si ça vaut le coup ou pas. Là, pour l'instant, je suis en train de tout vous détailler. Il y a un effet qui est pas mal. C'est l'effet d'eau. Alors, l'effet d'eau, en fait, il y a un siège. Le siège qui est devant nous, le du spectateur qui est devant nous, a deux petits trous comme ça derrière. Et en fait, ça vous projette de l'eau à la gueule. Alors, pas de l'eau, pas des gros seaux d'eau, hein, comme j'ai pu le faire dans mon introduction. Mais c'est de la brume, quoi. Et en fait, bah, quand vous avez des moments où il pleut à l'écran, bah, vous prenez de la brume d'eau. Et quand, par exemple, il y a un moment dans Star Wars où
avec Luke Skywalker, ils s'entraînent, ils sont au bord de la mer, il y a des vagues comme ça qui se projettent sur les rochers, et donc là aussi, à ces moments-là, on peut ressentir de la brume qui nous vient sur la gueule. Ben ouais, ça fonctionne, c'est comme le vent, c'est pareil. Tout ce qui est environnement extérieur, le vent, l'eau, et éventuellement les odeurs, pour le coup, j'ai pas fait l'expérience, mais ça, vraiment, oui, ça fonctionne complètement. On a l'impression, quand on voit la mer devant nous, et qu'on se reçoit de l'eau et du vent, bah d'y être, forcément, ça marche, quoi. Ça, c'est assez fou. J'ai vraiment eu des moments comme ça dans le film où je suis « Ah ouais, ça fonctionne. Il y a du potentiel dans ce 4DX. » Mais encore une fois, comme ils ont un gadget sous les doigts, et qu'ils veulent absolument en abuser pour que le spectateur en ait pour son argent, ils se disent « Bah oui, bah donc dès qu'il y a de l'eau, on va mettre de l'eau. » Sauf que non, ça fonctionne pas. Il y a un passage dans le film, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous inquiétez pas pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas du tout du spoil. C'est vraiment pas grave ce que je vais dire. Finn, à un moment donné, se retrouve avec un équipement avec des fuites d'eau. C'est-à-dire que de son costume, il y a des petites de l'eau qui fuit comme ça. Ben vous savez quoi? Dans notre fauteuil, il y a de l'eau qui nous vient sur la gueule. Là, t'as envie de te retourner et de casser la gueule à quelqu'un. Tu te sens souillé, en fait. C'est, je vais pas vous faire un dessin de la comparaison, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de l'eau qui vient sur l'écran. Si de l'eau venait sur l'écran, ce serait normal qu'on se prenne de l'eau sur la tête. Là, c'est le personnage qui a une fuite d'eau sur son costume. Qu'est-ce que tu viens me cracher des molars à la gueule? Ça n'a aucun intérêt. Ça fonctionne pas. Ok, c'est rigolo, mais c'est rigolo quand on a 5 ans. C'est pas immersif, c'est pas dans l'intérêt du système. Ça marche pas. Donc voilà, là, en fait, je viens de vous décrire un peu tous les éléments que produisent le 4DX. Il y a également des vibrations dans le siège, hein, qui sont au niveau de l'assise. Ouais, les fauteuils bougent plutôt pas mal, hein. Ça fait vraiment, en fait, les fauteuils sont par 4. Donc, et les rangées bougent comme ça, par 4. En avant, en arrière, sur les côtés. Ouais, ça fonctionne plutôt pas trop mal, même si je trouve, encore une fois, qu'ils en abusent. Au final, donc, qu'est-ce que j'ai pensé du 4DX? Bah, franchement, ça sert à rien. Alors, je suis direct quand je dis ça, mais aujourd'hui, à ce stade, le 4DX, c'est complètement dispensable. Déjà, vous allez vous retrouver dans une salle où tous ceux qui, comme moi, n'ont pas essayé le 4DX, quand le film va commencer, vont se mettre à rire. Génial, sachant que vous êtes à fond dans le film, non, vous avez tout le monde qui rigole, parce que, attention, le siège bouge, oui, mais enfin bon, si t'es venu là, c'est peut-être pour que le siège bouge, mais t'es pas là au Futuroscope, t'es là dans une salle de cinéma, donc tu peux pas non plus t'exprimer de la même façon. Voilà, c'est juste que, ben, forcément, je comprends que les gens rigolent, parce qu'on n'est pas habitué et c'est assez rigolo, mais c'est pas une expérience, voilà, on n'est pas dans un train fantôme, là, donc ça marche pas, quoi. Donc voilà, première chose. Ensuite, quel est l'intérêt pour le film? Eh ben, il y en a très peu. Je vous dis, l'air, l'eau, les odeurs, ça doit fonctionner. Le mouvement de fauteuil, pardon, contre, de temps en temps, oui. Tout le reste, c'est complètement gadget. C'est là pour en mettre, pour montrer, attendez, on va vous faire plein de choses dans la gueule, on va vous mettre plein de choses dans la gueule, mais du coup, ça n'a aucun intérêt pour le film, au lieu de vous faire mettre en immersion, ça vous fait ressortir du film. Donc, on a l'impression d'être face à quelque chose qui a franchement du potentiel, mais qui est très très mal exploité. Ne mettez pas les flashs, ne mettez pas tout... Enfin, c'est pas grave, s'il y a juste du vent et de l'eau, ça peut être déjà sympa. Pourquoi est-ce que vous voulez à tout prix nous en mettre plein la gueule, alors que ça fonctionne pas, quoi? Donc, je pense qu'encore une fois, c'est... voilà, ça veut attirer de la masse, ça veut attirer du public pour gagner de la thune, mais c'est pas dans l'intérêt du cinéma. Et c'est bien dommage. Et je peux vous garantir que Star Wars, qui a duré 2h20, à la fin, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus parce que c'était fatigant. Je voulais appuyer sur le bouton pour que mon fauteuil s'arrête de bouger, mais c'est pas possible. On ne peut pas faire arrêter le mécanisme. La seule chose qu'on peut arrêter, manuellement, c'est l'eau. Il y a un bouton water on, water off. Donc on peut arrêter le fait de se prendre de l'eau sur la gueule. Ah oui, tiens, j'ai oublié de dire ça aussi. Le film était en 3D. Du coup, j'avais des lunettes 3D. Bah donc, dès qu'on se prend de l'eau à la gueule, j'étais obligé d'essuyer mes lunettes, puisque forcément, j'avais des gouttes sur mes lunettes 3D. Donc le 4DX, je pense que ça doit être mieux sans les lunettes 3D. Même si, voilà, forcément, la 3D favorise l'immersion. Mais bon, ça fonctionnait pas là. Donc voilà, dites-moi si vous avez déjà testé le 4DX, quelle a été votre expérience, est-ce que vous avez aimé ou non. Voilà, peut-être que moi, je vais aller voir un film qui dure trop longtemps, peut-être que sur un film qui dure 1h30, ça se tient et que ça fonctionne. En tout cas, je trouve qu'il y a des éléments qui ne fonctionnent pas de la façon dont ils sont proposés. Parce que justement, les personnages à la troisième personne, alors que nous, on est supposé être en première personne. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous invite pas du tout, du coup,
à aller payer plus pour aller dans une salle de 4DX, ou alors vraiment pour vous faire l'expérience et puis pour rigoler entre potes. Parce que sinon, il y a certains moments où ben, on se sent un petit peu frustré, voire même abusé de son portefeuille. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus. Ciao, ciao.